Bonjour à tous. Et c'est reparti pour cet épisode 2 de Chroma Squad, la revanche des Gitano Rangers, parce que la dernière fois ils se sont pris une sacrée déculottée. Mais cette fois, ça va changer. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai modifié l'équipement. J'aurais mis des nouvelles tenues, ce qui augmente leur santé. Et des nouvelles gants, ce qui augmente leur attaque. Alors cette fois-ci, ça devrait passer. Ah, ça m'a coûté tout le pognon que j'avais. Pour réussir ce premier épisode, ça vaut le coup. Bon. On va passer ces dialogues, hein. On les a déjà eus dans le premier stream. Ouais, c'est pire. Ok. C'est parti. 3 acrobaties. Allez, un peu si je peux. Bien. Finis-le parce que... Ah, je crois que... On va peut-être pas dû les passer... Ah, contre, très bien. Bien. Ah, ça va être la fête pour le bleu. Ouais. Ah bah, il arrive de... Ok. Déjà ? Pour ça. Ah bah oui, le bleu. T'as pas à voir. Bon. Bon, moi, on réussira un sur... Va le finir. Et quand... On va tenter une acrobatie. Allez, transformation tout de suite. Je me demande si j'ai bien écrit le nom des rangers. Enfin, le nom de la transformation.
qui en a besoin. Rouge. Ah, il est pas dans la ligne. Dans la, il est pas dans la cible. Voilà. Ah, oh, foiré. Non. Ah, il a tenu le coup. Parfait. On va tout soigner là. Et voilà, une mission remplie sur une. En tout cas, les musiques de jeu sont incroyables. Ok, il envoie sa bande de connards. À vos ordres, chef. Attention, oui, attention parce que on est pris des castrols ici. Vaincre le boss avec un coup de grâce. Ok, ça va bien se passer. Merde, c'est du tout ce que je voulais faire. D'accord, on retourne là-bas, toi. Il faudrait foutre le bleu là. Et ainsi. Voilà. Comme ça, tu vas aller me l'achever. Est-ce que je vais pouvoir frapper au moins? Toi, tu vas t'avancer un peu. Là, voilà. Il faut te prévoir. Lui, il va se faire attaquer. Ah. Ouais. Qui d'autre? Le noir, c'est ça se voit vraiment. Non. Alors, rose, très urgent. Bien. Donc il va m'attaquer un. Il va aller m'attaquer le tocard du fond. Il va aussi te m'attaquer un tocard du fond.
les bute d'un coup avec ça. Ouais. Bah dis donc, ils veulent à tout prix monter un. Alors, hop. Donc, Rose, il peut pas. Alors lui, on va le faire dégager. Très loin. Les autres, ça va alors. Ok, Rose va me finir celui-là. Peut-être que ils pourront faire une attaque combinée contre celui-là. Parfait. Ah, parfait. Allez, bute-moi ça. Je t'ai connu meilleur. Hein. Ok, on s'en prend plein la gueule. Ah non, s'il va pas me tuer la healeuse. Ok. Jaune. Non, toi, tu vas me rester dans le fond. Oui. Pour les clics l'épée, c'est le fini. Parfait. C'est bon, ça devrait gérer. Là. Non, 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 non. On n'a plus la rose. Je crois que pour le coup de grâce, c'est niqué. Avance-toi. Pistolet. Ouais, on conserve nos soldats comme on peut. Mais il veut l'enfoiré. Allez, viens me voir. Coup d'épée. Le jaune ne fait aucun effet.
Ah, il va se le prendre en pleine. Ouais, il m'en a eu deux là, ça va. Tant pis. De toute façon, je crois que pour le coup de grâce, c'était niqué. Putain, mais qu'est-ce qu'il est costaud ce carton! Oh, il a résisté le seul. Tiens, il est beau. Allez, épée. Mais il l'a contré, enfoiré. Cogne. Sur le. Allez. Allez. Pas mal, pas mieux. Bon, avec le pistolet. Oui. On n'a pas réussi la mission, mais on a fait l'épisode, c'est déjà ça. J'ai été recyclé. Mais et ce mage de la route alors? Les monstres reviendront toujours, après avoir échoué la première fois. On les reverra bien à cette autre nuit. Et à ce moment, nous serons là pour les arrêter. Merci, livre. Bravo à tout le monde. Cet épisode devrait faire du bruit dans la communauté. Audience, ben ça va. Et on a de quoi se fabriquer des. Alors. Écoutez. J'espère que vos acteurs ont une bonne assurance maladie. Les studios de. c'est vrai, j'avais oublié. Je vais appeler le studio comme ça. Nouvelle saison. Hashtag Gitano Ranger. Et toi Ranger, et toi regarde Gitano Ranger, merde. Oh, t'es mort, regarde Gitano Ranger, t'es mort. Oui, trop longtemps que j'attendais le début de la saison. Comme quoi, on a des fans, on a du pognon, plein de trucs. La partie sauvegardée, c'est bon. On a de quoi fabriquer. On va fabriquer quoi hein? Des bottes. Plus 12 de santé. Plus 5% de contre. Des bottes. Équiper à qui? Celui-là qui a le moins de santé. La rose, parce que son rôle est quand même important et elle se fait toujours défoncer. Alors, on pourrait recycler nos vieilles tenues. C'est parti du gameplay, c'est le fun. Ah,
du coup, on peut faire des gants, on peut faire des tenues, on peut faire des bottes. On va faire des bottes pour traîner. On peut en fabriquer d'autres bottes, hein. Pour lui, ouais, il se fait bien ficeler le cul aussi. Il n'y a que le rouge en fait qui est bien niveau santé, il n'y a pas à se plaindre. Et ben il aura encore moins de raisons de se plaindre. Armes, est-ce qu'il y aurait des armes pour attaque? Il n'y a pas d'armes pour. Donc on serait deux épées. Bah pourquoi pas après tout. Allez, il a besoin d'un peu de force de frappe. Voilà, ça vaut le coup. Studio. Établi. Par partenariat boutique. Ah, j'ai passé. Ok, science studio. Ah. Transformation. Ah, c'est mieux comme ça. Ok. Ah, ça a du... Allez. Un autre petit épisode. Dans cet épisode, un passant innocent sera kidnappé par les méchants monstres. Mais cette victime sera-t-elle un garçon ou une fille ? C'est ça l'ingrédient. Avec aussi des problèmes de lessive. Attendre Guy avant de vaincre tous les ennemis. Attendre Guy en 3 tours. Donc il faudrait que j'évite les monstres pendant 3 tours. Ça va bien se passer. D'après mes recherches, je pense avoir trouvé un moyen de faire du double buzz. Mais comment faire, Billy le boxeur? Mec! Certains de nos épisodes devraient parler de grands héros venus d'autres séries télé. Des crossovers, quoi, tu vois. Superman qui rencontre Batman tous les épisodes. Alors que putain, t'as acheté un Superman pour lire du Superman, merde. Cool. On pourrait faire un épisode spécial. Mais on risque de manquer d'argent. T'inquiète pas, Jason. J'ai une idée. Il y aurait une fille kidnappée, comme dans les séries qui nous a inspirés. Comme dans les séries qui nous a inspirés. Et cette fille sera ma sœur. Attends un peu. Ça ne serait pas un homme à secourir ?
argument valable, Kim. On ne devrait pas faire avec quelqu'un d'autre. On ne devrait pas le faire avec quelqu'un d'autre. Ma sœur a toujours voulu être secourue dans une série de super-héros. Je crois qu'on devrait éviter de tomber dans les lieux communs sexistes. Ouais, nous on veut des vrais personnages forts féminins, toi. Style Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man 2. Qui sert juste à mourir. Ou Lois Lane dans Man of Steel et Batman v Superman qui sert à... Enfin, c'est à quelque chose, j'en suis sûr. Si nos séries fétiches étaient comme ça, et si la sœur de Trini veut vraiment... Où est le problème, mec? Afro, nos motivations ne pouvons pas être sexistes, ou racistes, ou je ne sais quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que le doubleur te fait prendre ce drôle d'accent. Mais le public ne voit que ce qu'il y a à l'écran. C'est donc notre responsabilité de changer les choses au lieu de reproduire le monde tel qu'il l'est. Je comprends, mec. Et le truc marrant, pouvons aussi changer le monde, non? Et les trucs marrants pouvons aussi changer le truc, non? Et puis ça ne serait qu'un petit changement. Mon beau-frère, Luciano Diaz, voulait aussi qu'on le sauve. C'est des masochistes. Donc je crois que ma sœur ne sera pas déçue. Bien, alors, en peace, Chitano Ranger. Alors. Allez, l'otage est toujours ici. Allez, y'a pas de monde, hein. On doit l'amener au chef. Faisons vite. Je crois que les Gitano Rangers sont bientôt là. Oups. Les Gitano Rangers doivent combattre des dangereux ennemis pour sauver la vie d'un garçon. Vite, il est juste là. On doit passer ce grillage avec nos acrobaties d'équipe. Oh, et en fait, désolé d'interrompre l'épisode, Jason, mais... je sais, je suis cache-couille, mais... Quoi encore, Billy? C'est chiant, hein? Nos uniformes sont à laverie. On ne peut pas utiliser de transfo trop michto cette fois. J'espère que les fans comprendront. Coopérons un maximum pour rendre ça plus marrant. Et je me suis trompé de voix. Bon, tout le monde est prêt? Allons-y! Vite, il est juste là. Nous devons sauver. Pourquoi je peux pas utiliser mes arts martiaux pour vaincre ces monstres, quoi, je veux dire. J'ai fait 2 ans de judo. Luciano, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Tu ne dois pas parler. Il n'y a même pas de micro sur toi. D'accord. La phrase d'impact. Et c'est parti. 3, 2, 1.
Action. Vite, il est juste là. On doit le sauver. Pas si on vous n'empêche. J'ai tenu Ranger. Attendre 10 avant de vaincre tout l'ennemi. D'accord, j'ai qu'à éviter ces connards pendant 3 tours. Donc on va là. Il n'y a aucun sens cet épisode. Aucun sens, ils doivent aller sauver le gamin, mais ils partent tous en retraite. Ok, donc là on va se tirer. Fastoche, mais j'ai l'impression que... Ok, 2 tours. Allez, on se tire. On se met le plus loin possible pour être tranquille. Pas te cacher dans les poubelles, mec. Allez, toi qui ressemble à un clodo. Allez, il faut qu'on tienne encore un tour. Allez, vous fourguez là. Surtout toi, parce que toi, tu t'en prends plein la tronche, toi. Remarquez, il sera ressuscité avec la transfo, mais à mon avis. Mais... Allez, le plus loin possible. Et c'est bon? Normalement là c'est bon. On a vraiment réussi. Hein. Allez. Ne frappez pas s'il vous plaît. Oh l'enculé. Eh merde, oh putain, Guy! Attendre Guy avant de vaincre tous les ennemis. Et qu'est-ce qu'il fait, Guy? Attendu 3 tours, votre Guy, là. Ça n'a peut-être pas une si bonne idée de rester d'essayer de les éviter, quoi. Enfin bon, si j'ai réussi une mission sur 3. Allez, on va les cogner un bon coup. Tape le plus gros. J'ai fait une grosse erreur d'un... Bon, et sinon il vient, Guy, ou...
Ah non, c'est pas attendre, c'est atteindre, Guy. Évidemment. Atteindre Guy en 3 tours, bien sûr. Imbécile. Allez, tout le monde est mort, il reste plus que toi. Allez, Ranger Rouge. Allez, faut vraiment que je fasse plus attention à ce que je lis, bordel. Non, j'ai fait n'importe quoi. Ça va aller mieux. Regarde. On va essayer. Alors là. On commence. Allez, on attaque avec le jaune direct. Comme ça, on en a eu un. On prépare le rouge qui prépare le terrain pour aller sauver Guy. On évite de trop se tataner parce que sinon. Ah. Non. C'est bon. Alors. Donc, ouais, c'est une idée, mais comme ça on a déjà pris pas mal, on va aller voir là-bas si j'y suis. Quant à toi, tu vas t'occuper de lui. Bien, bien, bien. Je crois que aller atteindre Guy en 3 tours c'est baisé parce que on était trop long mais. Ouais. Allez, t'en rajoutes un peu. Voilà. Je m'en donne pas. Non, moi je suis. Non, non. Ouais. Il m'a rendu service, la bonhomme. Allez, le rouge. Rouge. Tu vas aller m'atteindre, Guy. On va me finir les. Ouais.
faut que tout le monde soit là-bas. Je croyais que juste un suffirait. Voilà. Alors où je reste là-bas hein. Défoncer hein. C'est un échec total. Mais c'était tout con, merde. Attends, est-ce qu'on peut recommencer parce que c'est... Bon, tant pis. Oui, et si on avait enregistré un pôle Nord, Trini. J'ai pas le début de la bague. Eh, spoil pas. Ouais, c'est le tout dernier épisode. Ah, elle est bonne, dommage qu'on n'ait pas... d'Amazon à nos côtés. Bon boulot tout le monde. Et merci à Lucias Diaz, mec. Ok, voilà. C'est un épisode à chier. À chier. Je regarde Jetten Ranger. Pas mal cette nouvelle série, mais ça serait encore mieux... avec plus de cascades et d'acrobaties. Pas de go pour Ranger. Pas de go Gitano Ranger. Le sang de sa mère cette semaine. Est-ce qu'ils feront leur uniforme? Vous avez oublié les costumes de la vraie ou quoi? Exactement. Bon. Fabrication. On peut faire des gants avec contre. Le rouge, il a besoin de contre. Attendez, c'est moi, ouais. Attends, ces gants sont pourris, non? Ah, ça, c'est celle... Voilà, parce que ça fait baisser la santé. Ah, c'était nul. Allez. Prochain épisode. Tiens, le... Ouais, c'est le jeu quand on était gosse, là, le Pic Pirate. Le studio des Manouches a des soucis avec un cascadeur qui ne veut pas utiliser un vrai costume. Mais ils ont quand même un épisode à enregistrer. Pourquoi vous portez un tonneau au lieu de votre costume, monsieur? Wow! Je suis un cascadeur premier ordre! Et je n'apporterai pas votre stupide costume! Hein, quoi? Vous avez signé un contrat, mec! Alors repartez à l'habillage et revenez avec ton costume, mec.
pourrez même utiliser la téléportation si vous vous... si vous vous habillez correctement. On commence l'enregistrement sur le plateau pendant que vous vous en changez. Oui, d'accord. Allez, on bouge. La patience est une vertu, non? Quelques instants plus tard. Toujours pas de costume, correct? On ne peut pas enregistrer comme ça. Ouais, mon costume, je suis un homme tonneau. Et je vais vous rouler dessus. Il tient à son tonneau, le mec. Ok, ça suffit. Tu vas rouler jusque-là. D'où tu viens, mec? Mais ne roulez pas dessus, chef. Alors, vaincre un boss avec un coup de grâce. Attaquer le boss avec le rôle de chef. Ah, attaquer le boss. Je propose de se transformer immédiatement. Alors, ah, il est pas dans l'axe. Mais... Allez, toi, tu vas t'avancer un peu. Ça va être coton à faire un coup de grâce sur ce. Ah, il y a des pistolets. Ah ben, il les a manqués. Putain. Oh. On va vaincre les... Là, ils sont le pistolet. Toi, tu le finis. Le pistolet. Le pistolet. Ah putain. Oh non. Oh il, oh, il m'en a eu un, putain. Pour le coup de grâce, c'est foutu. Au moins. Mon salaud. Une fois. Le pistolet. Non, c'est ridicule. Putain.
Allez, viens me voir. Je pense pas qu'on va réussir grand chose avec ça. Alors on est dans la merde. Bon, c'est pas grave, débarrasse-toi de lui. Plus fort que ce que pensais, ce tenon de mes couilles. Oh là là, j'ai perdu les deux missions. D'ailleurs, j'ai tout perdu parce que. C'est pas avec deux rangers que je vais l'avoir ce voilà. Ouais, zigouillé hein, après tout. Faut que je pense à cette. Putain de rotation. On va l'attaquer, bordel. Il est chiant, bordel. Oh, c'est bon jeu. Là, on va faire les choses bien. Un peu de réflexion, de stratégie. J'ai perdu 5 fans de mes couilles. Allez. Vous avez vu ce bug? On voit même plus la transformation. Allez. Go, j'étais dans un ranger, le sang de sa mère! Allez. Je me zigouille direct. Ça n'a pas suffi. Mais toi, tu vas le finir. Ok, donc. Ah, il a une épée, lui, j'ai oublié. Alors, qui on aurait besoin? Personne. Ok, toi tu vas attendre ici.
Tu ne pourras pas lui rouler dessus avec le banc, je ne pense pas. Ou peut-être que si, en fait. Ah, son abruti était devant. Du coup, on va attaquer. Pistolet man. On aurait besoin le bleu. Je pense pas que ce soit réellement nécessaire. Là ça va être nécessaire, mais non, ridicule, merde. Oui, allez. Oh oui. Il m'en a niqué deux! Prenez ça, bande de connards! Le coup de grâce est niqué. J'arriverai à rien maintenant. Mais il vise à chaque fois juste, hein. Bon, bah toi, mets-toi là, mets-toi là et bouge plus comme un con, allez. Voilà, on va encore perdre. Pas bon du tout, ça. On va encore perdre des femmes. Voilà, je lui donne un coup d'épée pour l'honneur, mais... vraiment dur à esquiver ce tonneau là. C'est bien. Moins 5 fans. Nos fans sont mécontents. L'épisode a été regardé une semaine. Oh là là. Mais quel bordel. Vous transformez direct, encore une fois.
disparaît-il? Oh l'enculé! Bah évidemment. Oh putain, non! Faut que je me mette là. Allez. Parfait. Et du coup, tu vas pas passer dans l'axe comme un abruti. Toi aussi, tu vas aller taper celui-là, tiens. Bien loin, allez. Demande à toi. Tu vas aller le récupérer. Et du coup, un petit coup d'épée, ça va lui faire pas de mal. Essaye de me finir ce pistolet, héros. Ah. Non, mais c'est pas possible, ça. Ah, con. Non, 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 non. Elle est en vie? Putain, elle est en vie. Elle est en vie, mais elle est dans la merde, alors. Alors tu vas être planqué là. Bouge plus. Ok. Rouge. Noir. Noir. Rose. Pilieux. C'est foutu. Vas-y. Ok, ça a tourné. Oh bah ma vie, oh. Ma vieille. Bon, finis-le. Allez, ça va vous faire du bien ça. Finis-moi ça. Le coup de grâce, c'est déjà niqué. Voilà. Kill-toi toi-même. Un coup de grâce à ce 3, je pense pas que ça marche en plan 1-3. Ça...
Ah, vous allez jouer comme ça, hein. Tiens. Ça s'appelle une déculottée, ça, mon gros. Loupé. C'était déjà il est tout à l'heure. Alors, je sais pas si ça peut marcher. Allez, on Rex. Non, ça ne fonctionne pas. Non, c'est pas grave. Je peux la gérer. Allez, tu veux que je te dise? Allez, on est rouge, finis-moi ça. Sans... Le coup de grâce, j'arrive pas à le placer. Il faut plus de santé. Là. Pour qu'on soit plus résistant. C'était de l'explosion, mec. Une belle continuation. Hein. Alors, c'est refait. Qui a entendu parler de la nouvelle série Gitano Ranger? Elle a l'air super. J'ai laissé cramer mon repas parce que je regardais Gitano Ranger. Bien joué moi-même. Bon, Dieu! Vous avez dépassé toutes mes attentes avec cette série. Mais t'avais pas un niveau d'exigence aussi élevé. Bot, santé, camp, contre, de la merde. Attendez, la tenue. Plus 27 de santé. Et on peut en faire combien? On peut en faire qu'une, c'est ça? Le rouge il tient bien, c'est vraiment le reste de l'équipe qui a besoin de santé. Un vieil ami. Comment ça va, mon vieil ami? Nous savons tous que votre nouvelle série me doit tout. Je sais que ça ne... que ce n'est pas bien. Que ça ne s'est pas bien passé entre nous. Sur la fin de... La situation était délicate. Parce que vous avez volé mes idées. Sans blague.
Alors passons aux affaires. Vous avez peu d'options. 1. On se voit au tribunal. 2. Vous me payez pour m'aider. 3. Je deviens votre réalisateur. J'espère que vous comprenez la situation. J'ai pas tant d'argent. Je reviens dans l'équipe, connard. Hein. Ton chantage de merde là. Bravo Zack Snyder, hein. C'est déverrouillé sous méta. On s'amuse bien, les enfants. Quel oncle étourdi tu es, Billy, le boxeur. Nous n'avons pas parlé depuis l'ouverture du studio. Comment va mon entrepôt? J'espère que vous avez assez de place et j'ai dit à Joe de passer réparer les fuites de la salle de bain vendredi prochain. Ah, et n'oubliez pas de nourrir la jolie petite chatte. Ah bah oui, elle est là. Elle vient de passer ici, là. Qui vit dans le secteur. Elle est là depuis que j'ai ramené Cerebro l'été dernier. Elle a dû se glisser dans le carton. Et c'est toujours agréable d'avoir des chats. J'espère qu'elle vous donnera de l'inspiration pour vos créations futures. Salutations, représentant du studio, le studio des Manouches, je me nomme Ronald Sampaio, manager de l'agence marketing Madplug. Nous adorons votre premier épisode et nous souhaiterions travailler pour vous aider à toucher un public toujours plus nombreux dans le monde. Voici comment notre agence fonctionne. Vous nous payez un tarif hebdomadaire fixe et nous travaillons à transformer votre audience en fans et en revenus. Nous vous garantissons une hausse d'audience de 15% à chaque épisode. Est-ce que vous faites affaire? Est-ce qu'on fait affaire? La première semaine est gratuite. Ouais, pourquoi pas. Allez, amis. Sans blague. Vous allez abandonner ce jeu aussi vite? C'est votre première décision importante? C'est vous qui dirigez votre studio. Impossible de changer ça. Je ne peux pas vous prendre votre place, commande du jeu. Réessayons avec moins d'options. On se voit au tribunal, connard. Mais... En fait, c'est abandonné carrément. Ça là. Y a pas une arme pour... servirait un petit peu. Voilà. Studio. Pour le moment, tout coûte une blinde. Alors le marketing. Ok.
10% de taux de revenus, 100% d'audience en début d'épisode, 10% de 80 plus 80. Alors, on va prendre ça. Voilà. Prochain épisode. Un gros alien terrorise la ville. Les cérébraux envoient les gitanes rangers pour gérer cette menace. Mais quelqu'un doit aller chez le dentiste. Alors, réaliser une attaque en équipe avec 3 membres. Convaincre tous les piafards faibles. Vaincre tous les piafards. Pourquoi convaincre, putain? Vaincre tous les piafards faibles en 4 tours. Ça devrait le faire. J'adore quand on utilise l'effet de téléportation sans raison. C'est juste trop drôle, non, Afro? Ha! Ha! J'ai failli oublier. Billy le boxeur, tu as rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui, non? Oui, dans un petit moment, Jason. Donc je devrais m'absenter, désolé. Pas de problème, on va faire vite. Préparez-vous, le mec. C'est le moment où les serviteurs arrivent. On est méchants. Mais pas de dialogue. Soudainement, un personnage alien humanoïde rejoint l'endroit. Non! Tu n'es pas censé arriver maintenant. On n'a pas encore trouvé ta cachette. Oh, désolé les gars, je ferai plus attention la prochaine fois. On doit pouvoir commencer. On doit pouvoir compenser en ajoutant quelques serviteurs à la scène. Parfait. Parfait, parfait. Préparez-vous! On doit se débarrasser de ces monstres. Ils nous encerclent. Ne t'inquiète pas, Trini. Ça devrait être facile. Gitano Ranger, go! Ok. On peut peut-être le faire maintenant. Regarde. Je mets celui-là là. Plus ça. Et à mon avis, si Jason saute là, ça devrait faire. Voilà. Ok, je propose qu'on se transforme. Ouais, parti. Go, j'étais dans le jeu du sang de sa mère. Alors.
c'est son coton à avoir, c'est... La bande-là. En 4 tours, faut que j'élimine tous ces petits cons là. Je vais faire de la tarte. Mais merde à la fin. Voilà, un contre. Non. Tire pas, tire. Bah ils iront. Ah bah c'est tout pris. Les coups dans la gueule. Putain, les coups dans la gueule, la dynamite. C'est insensé ça. Alors. Tire-moi dans ça. Non, j'aurais dû en viser un peu. On a déjà perdu la healeuse, quoi. Putain de merde. Et on va bientôt perdre la jaune. Est-ce que c'est fini? Putain! Putain! Ça va pas se passer comme ça, hein. Tiens, prends-toi ça dans la gueule. Allez l'épée. Reste sur ce qu'on a. Il suffit. Il suffit. Plus j'ai raté, c'est magnifique. Voilà, tu l'as, hein. Non, voilà. Non, c'est laborieux ce petit tournage. Ok, on va tout de suite commencer par la tape coordonnée. Et donc, si Jason m'attaque, triple attaque! Et voilà. Donc, on va en refaire une autre. Comme ça. Double attaque. Ça n'a même pas suffi. Quoi? Ah bah ma vie. Ah bah des dents. Et bah... Ils sont...
Oui. Allez, ça s'enchaîne. La merde. Ok. Je crois que c'est le moment de sortir la transformation. Bravo! Je me demande si. Si le coup de grâce est possible sur ces petits cons. On le tente. Ah non, il s'éparpille en final. Ok, alors. Je peux viser sur lui, sur lui. Bien. Ah mais non, gauche quoi. Ah j'ai... Non! Je me suis trompé de cible. Il m'en reste une, deux, trois, quatre. Il reste quatre petits connards. Allez, on se calme maintenant. Allez, on arrête le festival. Ok. Voilà, je crois qu'il s'est rappé. Ah, il faut encore 3 tours. C'est pas grave, achève-le. Allez, attendez. On a réussi. Enfin... Regardez. Bon, le rouge s'est foutu. Putain, c'est pas 5 tours, c'est ridicule. Quoi, c'est eux les faibles? Mais ils sont beaucoup plus forts que les autres. C'est ridicule. Et putain, la prochaine fois, j'observe mieux le terrain parce que... J'ai raté la mission parce que j'ai pas reconnu les ennemis. N'importe quoi.
Bon, moi je pars chez le dentiste. À plus tout le monde. À suivre. Attendez un peu. On pourrait utiliser l'absence de Billy le boxeur pour ajouter quelque chose au scénario. Ouais, du genre Billy le boxeur a été kidnappé par gros alien. Permis à qui s'appelle? Ça va être de la balle, mec! Eh bien, tous en fait dans la suite du scénario. On devrait aller à un autre endroit. Le public saurait que c'est une autre partie de l'épisode. Bonne idée, Trini. On bouge, on change de position. Gros Alien a kidnappé Billy le boxeur. Alors les Gitano Rangers sont allés dans son entrepôt pour récupérer leur ami. Et il apparut soudain. D'accord, en gros, ils se plaçant juste vers la gauche et ils font croire que c'est un autre endroit. En gros, c'est comme si là je streamerais en m'asseyant là-bas et je dirais que c'est plus chez moi, vous voyez. Vous ne reverrez jamais Billy le boxeur. Billy le boxeur est entre de bonnes mains. Ouais. Alors quelqu'un d'autre arrive avec l'effet de téléportation. Qui êtes-vous? Je m'appelle Thomas Dale. Je suis Galaxy Silver, le sixième Ranger de Galax Ranger. Nous avons pour mission de maintenir la paix dans la galaxie. Et ce monstre intergalactique est une menace pour nous tous. Je pensais que vous dépouliez juste dans votre studio. Mais je vous crois, la réplique était trop parfaite. Bienvenue dans notre série, Thomas. Allez, tout le monde, ça tourne. Galaxy Silver, c'est sympa de te voir, mec. Ici, gros alien a kidnappé Billy le boxeur. Fais ta prière, créature obèse! Alors, enfin, si je peux me permettre, toi aussi, tu devrais perdre un peu de poids, mon pote. Potentiel illimité! Galaxy Silver! Ah, c'est... Ouais, c'est le sixième Ranger, là. Le ranger spécial comme le ranger vert, le ranger blanc, le ranger argenté comme ici. Celui qui a toujours son mégazord à lui tout seul, le bâtard. Mon Galaxy Sabre est prêt à te détruire. Vaincre tous les serviteurs avant de vaincre le boss. Toucher le boss à chaque fois. À chaque tour. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, Penny, tu vas me l'exploser, celui-là.
Putain, faudrait vraiment que je touche ce putain d'alien de mes deux. Bon, laisse-moi deviner, c'est déjà raté. Non, on a peut-être encore une chance. Allez, Trini, va le toucher. Touche-lui son gros bide. Allez, un autre petit coup d'épée pour monsieur. Alors, qui a besoin de heal? Le noir. Merde. Faut juste que j'avance d'une case. Putain. Non! C'est ridicule. Pas votre fourguet là-bas. Ah mais disons, il a un méchant coup de pied. Hein. Et ouais. Ah disons. Bah ma vieille, laissez-moi deviner. Parfait. Bon, on va m'attaquer ça. Finis-le. Pourquoi je vais le toucher, de toute façon c'est raté. Oh. Même pas. Je pensais qu'il l'aurait eu. Il m'a déjà éliminé le blanc. Venir nous voir un peu. Bah dis donc. Voilà, c'est tout raté. C'est raté sur toute la ligne. Bordel.
Allez. Allez. Comme ça, ça va faire un petit tour. Ça va lui faire du bien. Toucher le boss à chaque tour. Termine pour ce tour. Terminé pour ce tour. Je vois. Bah mon vieux, allez, je crois que c'est bon. Non, ne la tuez pas. Ils l'ont tué. Bravo, c'est du propre à chaque fois. Putain. Finis-moi ce là. Costaud, hein. Non, alors on est foutu là. Là, je tape plus pour la forme. Mais... Toucher le boss à chaque tour, attaque nécessaire à ce tour. Et c'est toujours marqué en rouge celui-ci. Bizarre. On a peut-être encore une chance.
le bordel. Placez-vous correctement que je puisse vous frapper. Bon. C'était à ça. C'était à ça. Allez. Première chose. Tant pis. Et ça, tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Connasse. C'est encore plus raté de tout à l'heure. Mais pitié quoi. Allez. Vous avez fini le carnage ? Va me le frapper. Ben voilà, maintenant, finis-le. Essaye de le finir. Bien. Épée. On va aller faire le rôle. Comme ça, on va faire une attaque combinée avec le blanc. Paf. Dans la gueule, mais c'est pas possible. Eh putain. Regardez-moi ce carnage. On va me l'attaquer. Mais il est solide à ce point. Non. Tu vas encore aller m'attaquer. Ça lui a fait du bien. Au moins ça. Tu vas aller m'attaquer celui-là, toi. Voilà. Il me fera moins chier avec son putain de taser. Le blanc. Élimine-le en un coup. Ça ne l'a pas éliminé en un coup. Ça, c'est pas grave. J'en ai marre de cette putain de phaser. Elle est morte. Elle vise le noir. Ah bah elle a tout barré. Ouais, bravo ma vieille. Hein. Voilà. Bon maintenant. Ouais.
Ah, c'était inévitable. Je ne sais pas, on va tenter. On le rapproche au maximum. Ranger blanc. Toi, par contre, tu vas lui donner un putain de coup d'épée. Ok, c'est bon. Enfin, c'est bon. C'est bon, ouais. Grâce à l'acrobatie, il serait. Ouais. Et lui aussi, grâce à l'acrobatie, il y sera. Ouais. Coup d'épée. Bien. On peut pas nous échapper, enfoiré. Oh non, tu peux pas nous échapper. Ouais. Oh non. Juste un tour. Loupé un tour. Ah. Vous m'avez surpassé. Et il éclate. Cette menace n'était pas bien méchante. Chitano Ranger. Merci pour ton aide, Galaxy Silver. Je suis là, derrière le conteneur. Oh. Inutile de me remercier. C'est grâce aux cristaux de machin, je vois pas la... Je vois pas le reste du dialogue. Dont nous tirons la Galaxy Force. Je dois laisser mon vaisseau. Le Star Rod surfer maintenant. Ouais. Bonne chance. Dans vos aventures, je suis un Avenger. Il nous faut plus de potes comme lui, mec. Oui, j'ai hâte, Billy le boxeur. Oui, j'ai hâte que Billy le boxeur voit l'épisode. Il y a quand même des fautes d'orthographe dans ce... La traduction du jeu n'est pas 100% parfaite. Regardez Gitano Ranger, la série... de les studios des manouches est génial. Encore un épisode parfait, Gitano Ranger, super fun. Et toi, regarde Gitano Ranger. Pouh, je spoil pas, mais vous devez voir le dernier épisode de Gitano Ranger. Et d'ailleurs, ça sera tout pour ce soir. Et ça s'est plutôt bien passé.